Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se trouve jour 7 sur 7 Days to Die. Miss Dark Angel se connecte. Salut à tous. Et voilà. Ce soir, c'est la Horde. Alors, ça pue un peu du slip. Faut dire ce qui est. Je suis perdu. Ça pue un peu du slip parce que... Il faut... J'ai combien de torches? 11 torches. Oh, la porte, c'était même pas fermé. Oh, c'est pas grave. Ouais. Alors, j'ai laissé le trou. Ouh, là. Je vais essayer de monter au maximum ma hache. Merde. Peut-être qu'elle durera un petit peu plus longtemps. Donc, objectif de la journée. Ah, je t'ai pas posé la terre. Non, mais j'en ai pas eu besoin en fait. Parce que là, le sol était pas abîmé. D'accord. Objectif de la journée, donc continuer les défenses, bien évidemment. Essayer de finir les défenses aussi. Ça non, bien. Les finir, on pourra pas. Non, mais je te parle pas des grilles, moi, mais je te parle au moins du tour, quoi. Ah ouais, les finir, on pourra. Merde. Merde, merde. Parce que là, il faut que je me refasse une pioche. Ah, il n'y a pas à dire, hein, ça va plus vite avec la... la pioche en fer. Oui, mais c'est sûr, ça va encore plus vite avec la pioche en acier. Oui, je mais, sais. Et Miss Dark Angel m'a fait remarquer que j'avais fait une boulette. Ouais, enfin bon, c'est pas grave, quoi. J'ai en fait tout simplement le... Alors, je vais vous montrer vite fait. Par contre, c'est dans quoi? Dans Abby. Peut-être. Voilà. J'ai fait fondre le casque de football américain, alors qu'il nous aurait servi pour faire un casque de mineur. C'est pas grave. Ouais. Moi, sur le coup, j'ai pas pensé. C'est après que j'ai pensé. Je dis bon, trop tard. Ouais. Par contre, je veux bien que tu fasses des allers-retours de temps en temps. Pour je vais faire fondre un peu de. Oui, j'avais dit que j'allais prendre les cooking pots aussi. Parce qu'au pire aller, je peux en faire des cooking pots. Mais là, c'est que on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de faire quoi. Je vais juste en laisser un. Hop. Le petit lag. Ouais, c'est qu'on a désespérément besoin de fer. Oui, je sais, je peux casser cette porte-là. Je vais récupérer un peu de fer aussi. Mais, voilà. Ouais, vas-y, fais une pote avant. Les tuyaux en fer. En fait, c'est simple. Les tuyaux en fer, je peux en sortir. Donc, c'est pas dérangeant en soi. Ça m'a donné 100, pratiquement 200. Ah ouais. Bon, bah en attendant, je vais continuer à la. La Stone Axe. Alors, je t'en sers combien là maintenant dans le pierre à pavé? Ah ouais, c'est bien. J'ai quoi que j'ai pu? D'argile. Alors, on va pas refaire le système de salle comme on avait fait la précédente partie, je sais plus comment. On avait fait exactement, mais on va plutôt
Mais par contre, si, il va y avoir une salle. Parce que Miss Dark Angel, elle a commencé à faire les plantations. Mais selon moi, les plantations comme ça ne sont pas. C'est pas suffisant. Ah, il va falloir que je le casse aussi celui-là. Maman. Donc voilà. Et sur la fin de la journée, il va falloir bien évidemment se concentrer sur la. Sur les munitions, parce que bah ça va être arc et flèche. On a un petit peu de pistolet, un petit peu de munitions, des fusils de chasse, un peu de munitions, mais bon, c'est pas ce qui va nous permettre d'être tip top quoi. En fait, vraiment, le truc qui nous perd, c'est le fait que on a beaucoup. J'essaierai de m'en donner une petite partie de l'argile. Je vais essayer. Attention parce que j'ai vu un Z au loin. T'es sûr que t'es à 6? À 6, 2, bah oui. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est parce que la maison elle est haute en hauteur et du coup avec le je vois rien du tout. Ouais, ben, fais gaffe parce que tu vas peut-être avoir une petite horde ou je ne sais quoi. Ouais. Mon avis. Ah non, Quoi? t'es pas sérieux là. Tu te fais toucher par ton C'est piège. bon, c'est bon. Ça? Ouais. Ouais, nous on aime comme ça. Il manque un coup. Ah. Oh là là. Sinon, ça commence à pouf d'empêche. Ouais, t'as vérifié alors, on n'avait pas de. De quoi?
Non. Super. Tiens. Je gèle, il faut que j'aille me mettre au niveau d'un feu. Ah, c'était peut-être ça le. Le quoi? Ben, tu sais ce qu'il te disait là. Je te mets un peu. Ben non, je vais descendre en fait. Enfin, je prenne un habit, certainement. Je vais avoir besoin d'un habit. C'est quoi ça? Bah non, ça me donne froid, ça. En haut. C'est en haut. Ah, c'est en haut. Ok, d'accord. C'est pas grave. Tiens, je te mets 32 fer, un peu d'argile. Je te mets du sable aussi. Je récupère du sable. Ah, mais le sable, c'est bien. Ça, c'est tout. Ça, c'est la moitié. Le sable, ce sera pour plus tard quand on aura la les bétonneuses. Tiens, je t'ai fait trois bocaux. Bah, c'est où le les habits? Ouais, t'as là et t'as dans le truc derrière. Plus 30. Oh là là. Ouais, mais là c'est bon. Hein, t'as plus froid? Ah, c'est oui, tu vas retourner dehors. Je suis bête. Bah oui. Ah, oh, tant pis, je vais mettre ça. Il va me dire que vous avez chaud. Bah oui, bah. Et là, dans 30 secondes, ça va être un soleil radieux. Et voilà. Il suffit de demander. Voilà. Ok. J'ai pas fait attention, on est en combien? Plus 60 en élévation. Ah, gars! Va falloir creuser profond. Il va falloir creuser profond. C'est bon ça. C'est bon signe ça. Quand on commence à taper et que ça fait clic clic. J'ai chaud. Ah non, c'est pas moi. Non, j'ai soif. T'as vu, je t'avais ramené un peu de verge d'or. Ouais.
Après, je pense que vous avez l'habitude. Ah oui, au fait, j'ai fait donc une bibliothèque. T'as avec tous les plans que je t'ai ramenés là. Bon, là, c'est parce qu'il y avait une bibliothèque, donc j'ai fait une bibliothèque. Et il y avait un. Comment ça s'appelle? Il y avait un truc de nourriture à côté. Ah. Donc ça sera peut-être bon à aller voir pour après la horde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après il va falloir que je casse ceux qui sont là. Mais on va attendre d'avoir une pioche un petit peu plus costaud. On va accélérer ça. Dommage. Oh, mais si, mais attends, j'en suis moi. C'est cool quand il y a des camions qui passent à côté. Franchement, j'avoue, c'est cool. Ah bon? Je trouve pas que ce soit très cool, mais en fait. Non, mais... C'est un Renek. Bien évidemment, on a hâte d'avoir l'arbalète. Lui là-bas, il fait les 100 pas. Là. Ouais, là, c'est fait les 100 pas. Faut dire. Toi, tu pourras ramener un peu d'herbe là. Ah, de la fibre? Ouais. Ok. Bah, t'es histoire que je puisse me faire quelques haches pour augmenter.
Après, c'est sûr qu'une fois qu'on aura nos... Voilà. En fait, je trouve que c'est vraiment le truc le plus long du jeu, c'est ça. C'est le temps de faire la base. Parce qu'une fois qu'elle est opérationnelle... Hein? Je sais pas ce que t'en penses. Bah si, une fois qu'elle est faite complètement et tout ça, après... Bah. On n'a plus grand chose à faire, quoi, à part looter la ville ou les alentours, quoi. Mais... Ouais, découvrir la map, quoi. Voilà, découvrir la map. Bah, tu sais quoi, finalement, t'auras pas besoin de venir me... J'en ai plus. Il y en a un qui est pas si loin que ça. Hein. Oh, j'ai plus de bois. Merde. Bah, couper l'arbre. Ouais. Je fais gaffe à l'autre zouzou là-bas, là, parce que... Je suis désolé pour ces périodes où c'est pas terrible, hein, parce que bon, c'est sûr que nous voir taper dans, bah, récolter de l'herbe, Miss Dark Angel, récolter du bois et compagnie, c'est pas génial, mais d'un côté. J'étais à l'œil. T'y regardes. Kiff kiff à un moment donné. Non. Ah. Ah, parce que à la hache, je vous dis, ça peut pas être génial, quoi. Donc si je pouvais... Agar. On n'a pas vu, je suis pas là. Je suis parti. Tchè.
Ouais, toi tu craftes en jaune, enfin pour tout ce qui est arme. Ouais, 200 déjà. Ouais. Ouais, pas moi. J'en suis loin, j'en suis loin. Bon, c'en est où ça? Ah bah, super. Il y en a deux maintenant. Ouais, bah ouais. À mon avis, il va le tuer, lui. J'arrive. J'y vais. Tu m'as pas vu. Tu l'as pas eu. Si, si. Non. Oh, tu me gonfles. Je vais la mettre en fave. En fave. En fave. Au moment, ça sera pas mal. Je pense qu'il est mort. Un petit problème avec la piscine, il y a de l'eau partout. Ben oui, il y avait un daim ou je sais plus quoi là. Ah oui. On l'avait cassé pour. Oups. Ah, ouais, ça se montre le pic après, c'est pas grave. Oula, 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 oula. Oh merde. Ouais, bah ouais, 95, hein. Après, honnêtement, ça va vite hein, pour les récupérer. Ouais.
dès qu'elle est OP sur la 94, allez! Ça y est, c'est bon. En fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment le départ qui est un petit peu. Ouais, enfin, il y a encore. C'est pas. C'est pas non plus. Pas non plus extrême. Hein. Lui, il va falloir que tu mettes tes bords. Putain, mais c'est quoi ce bug là? De quoi? Je tape la fougère, ça me tape ma structure. On a toujours eu des bugs comme ça là, con. La hitbox qui perd la tête, quoi. Le premier objectif, c'est de là, tu le mets carrément en pierre. ouais T'as pas envie de te prendre la tête, c'est ça? non c'est qu'après je peux l'augmenter en béton, Ça, je sais qu'après tu peux tandis que le bois je suis obligé de passer deux fois en bois, après je suis obligé de passer en fer. Deux fois en fer, je crois, puis après en béton. C'est plus long, en fait. C'est vrai, mais d'un côté, t'as le temps de le faire, quoi. Alors, faut que je regarde les angles comme ça. Quoi? Bah, c'est bien comme ça pourtant. Je suis en train de descendre. Quoi? C'est bien comme ça? Non, t'as mis un angle ouvert là. Eh ben oui. Non, c'est un angle fermé. Mais non. Voilà. Ah oui. C'est pas le premier, il me l'a pas compté, ça me l'a cassé. Ouais, des fois faut pas trop chercher à comprendre, c'est alors. Où c'est que je vais? Nip. Nip.
ne fait pas des masses. Hein. Ça sera toujours mieux que rien. Alors. J'ai déjà mis. Hein. J'avais dit quoi? Nous avons. Non. Ah, j'en avais fait 4 pourtant. Ah bah oui, mais j'en ai un qui a cassé, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai un qui a cassé. Nous avons des fusils de chasse. Nous avons deux pistolets. En munitions, nous avons quoi? Ouais. On a une trentaine de balles chacun. Plus ce fusil de chasse. Toujours là-bas, lui. Bon, attends. Je vais manger un sandwich. Tant pis, je vais perdre de la stamina. Est-ce que je peux aussi les upgrader de là? Waouh! Mais t'es fou, tu m'as fait peur! Ah bon? Oh la vache! Ah oui, je lève la tête, qui joue. Ah, gros patate. Oh, mais c'est pas possible, ça. Ah non, c'est un truc, c'est bon. Un gros patapouf qui vient de popper. Justement, là où je vais faire mon truc. Tu te fous de moi, toi. Putain. Non. Faut que tu pop juste là où je fais ma récolte de bois, de fer. Ah, de pierre, crotte. Juste à côté de pas content en plus. Et tout le bordel que tu fais, t'entends même pas d'ailleurs. Avec tout le bordel que je fais, ça ne l'attire pas surtout. Ouais. Parce que je suis pas sûr qu'un zombie s'entend vraiment quoi. Toujours aussi chiant pour placer le bois. Hein. J'étais en train de préparer pour les munitions. Alors un des défauts que je trouve du jeu, c'est hormis si vous mettez en temps réel, c'est-à-dire que 24 heures fait 24 heures, encore je sais même pas si on peut vraiment le faire. C'est pas drôle. Je sais plus. Bah là par exemple ça a crafté pendant 11 minutes, mais 11 minutes réelles,
Alors que ben dans 11 minutes vous allez voir qu'il va être 8 heures quoi. Bon, peut-être pas 8 heures mais bon pas loin. C'est un des trucs que je trouve un petit peu dommage dans le jeu. Bon. Est-ce que t'as de la pierre de dispo là ou pas? Dans le sac. Bon, j'ai mangé ça, tant pis. Je te mets ma pioche pour que tu la fasses fondre. Je te mets le fer. J'aurai jamais le temps de tout finir. Je te l'ai dit. Tant pis. Tant pis, on va faire avec, hein. On est bas, hein. Ouais. En même temps, on n'a jamais été aussi bas dans une partie sérieuse. C'est la première fois, je crois. Je sais plus. Ah non, on n'a jamais été aussi bas. Tu vas pas te dire. Ah, tu me l'as mise dans le truc à fond. Déjà privilégier les bords, déjà commencer, enfin les coins, je veux dire. Puis là, ce qui va être ardu, c'est que donc ce système-là, en fait, il permet tout simplement. On peut tirer à travers les grilles et par en dessous, on va pouvoir looter. Et le fait d'avoir les pics comme ça, c'est qu'ils vont être toujours à plat. Ils vont pas monter, descendre en prenant la forme de du pic. Donc c'est quand même relativement très avantageux. Ensuite, ouais, enfin moi je trouve que c'est très bien comme ça en fait. Bah, au départ, t'étais pas très très. Sceptique, hein, on va dire. Hein. De quoi? Comme ça. Ah si. Bon. Comme ça, oui, mais c'est l'autre là, celui qu'on avait fait quand on avait pris la prison comme base là, où c'était que des piliers, où là j'aime pas.
Alors, un pic. Ah, tu vas peut-être pouvoir me savoir me répondre, toi. Non. En dessous. Ok, dans les zones irradiées. Si j'y vais, mais en dessous. Normalement, ça fait pas de dégâts. Y a pas une vidéo de Lorenzo ou de ce que tu regardes qui aurait testé? Non. Merde, j'ai pas grand, de toute façon, alors je les upgrade alors. C'est un peu prématuré, je trouve. Bah ouais, mais... Merde. Ah merde. Bon, voilà. Tout est à peu près en place. C'est bien à peu près. Alors, j'ai combien de flèches? 97. Ouais, t'en refais pas. Ne t'en refais pas, je t'en ai refait. Ok. Alors, j'ai les œufs, j'ai trouvé ça. Bon, bah, j'ai un sandwich, bah, tant pis. Hein. J'ai de l'eau. Ça, j'ai ça. T'en as combien des flèches? 97. Au niveau de du truc à munitions, je t'en mets 216. Ok, ah, je peux pas mettre les torches. Bon, tant pis, c'est pas grave. De quoi mettre les torches? Bah, à l'extérieur, je voulais mettre les torches, mais je peux pas. C'est pas grave. Ça y est, elle est déjà en train de foutre son bordel partout. J'ai des pièces là. C'est où les pièces? La valise. La valise. La valise. La valise. En bas la valise. Où est la valise? Non, la valise, elle est à l'entrée. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, faut que je me dépêche moi. Hop, voilà, et tu m'as dit en bas où ça, tu m'as mis les flèches dans la boîte dans la caisse munitions. J'ai la nausée forcément. J'ai chaud. Ah bah oui, j'ai toujours mon manteau sur moi. T'es con. Bon, ça va être l'heure. J'enlève mon manteau. Oui, je sais. Pourquoi t'as pas bouffé la boîte de chien là? Bon, sur le coup, j'ai pas pensé. Ah putain. Allez, c'est parti.
Ouais. Coucou. Merde. Putain, il est pas mort lui. Oh putain! Ah merde! Oh là là! Ça pue du cul! Ah, il est là. Ouais, j'aimerais bien. T'avais pas dit que tu prenais un pistolet? Si. T'aurais pas un peu oublié? Ouais. Là, toi. Je t'ai entendu. D'accord. Oui, je t'ai vu. Il a traversé la maison, hein, pour information. What? Qui ça? Où? Je me suis fait toucher, je sais même pas où. T'avais un rampant, toi. Toi, tu me connais. Attention! Mais attention, ça me dit pas si t'es devant ou derrière. Toi, tu m'énerves. Voilà. Ensuite, toi, t'es pas mort. Putain. Je dépose le corps, mais j'arrive pas. Tu vas où, toi? Ah,
brûler ça à l'huile. Bon, je peux dépecer, ça y est. Il est un petit peu... 5 minutes. Juste 5 minutes, je vous demande. Non, il y a encore un poulet qui arrive. Je sais pas où, mais il arrive. Ah, bah non, c'est pas content. Oups. What? Où est-ce qu'il est ? C'est bon, il y en a d'autres qui viennent, hein, parce que... faut tourner, parce que là... Il est où ? Ben, je sais pas. J'ai pas vu un poulet, moi. Ils sont là. Il est mort le brûlé ? Oui. Ah oui. Ah, il y a madame mère de famille. Attention. Derrière toi. Petit rampant. Là, il y en a deux autres. Attention, il y en a qui arrivent, une infirmière. Il est mort. Il est mort l'autre là. Non. Oh, tu vas où, Germaine? Oups, hop. Voilà toi. Bon. Voilà toi. Il m'a cassé ma porte. Arrête. Mais c'est pas trop grave, j'ai de quoi la changer. Parce que ils vont me prendre un sandwich, leur bolfière. J'avoue. Les gars, j'en ai une derrière. Oh
C'est ce que j'étais en train de te dire. Voilà. Ah. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu. Oh. Bon, tu me gonfles là. Mais, viens là. Mais... Oh. Putain, il est rentré l'autre, fais gaffe. Il y en a un qui est rentré. Ça marche. Je peux rouler. Un gros patapouf. Ok. Qu'est-ce qu'il est ? Là. Ah. Ah, j'ai trouvé un casque de footballeur. Ok. Bon. Va faire gaffe parce qu'à l'intérieur, à mon avis... Je les ai mis où? Je les ai mis où? Ah, mais dis pas que je les ai fondus. De quoi? J'ai des portes en acier. Bah, non, je pense pas que tu les fondes. Enfin, en métal renforcé. Non, mais là-bas, je voulais la condamner, cette porte, cette entrée. Pour ça, je suis en train de casser, là, pour pouvoir mettre des structures. Parce que là-bas, je voulais la condamner. Pardon. Le souci, c'est ce que je peux. De... Pas mettre des structures. Pas des structures comment? Bah des structures en bois. Tu sais, upgrader des structures en bois. Mais c'est ce que je peux. Telle est la question. Je
sais pas. Je vois pas pourquoi tu pourrais pas la mettre. Je sais pas. Mais non, tu vois, je peux pas. Non, je peux pas. Tu vois, c'est. Là, oui. Là, ça passe. Mais. Ah oui, c'est ça. D'accord. Là, c'est bon, je peux. Voilà. En dessous aussi, tu peux? Ouais, c'est bon. Ouais, voilà. C'était pour ça que j'avais cassé les escaliers. Là-bas, c'était pour... attends, je fais un peu une vidéo. Non. Là-bas. Alors, là, il y a quoi? Tissu. Ça, c'est quoi? Soin. Est-ce que j'ai du soin? Non, j'ai pas de soin. Ça, c'est cher pourri, caca. J'ai pas de caca. Dans le meuble, là, je te mets tout ce qui a à fondre. Hein. Alors, ça. Les doutes de balles, je te les mets aussi ou pas? Non, non, tu me les mets dans les munitions. Casque du footballeur. Ne pas. Crafter. Enfin, machin. Bon les amis, on va se quitter là. Vous verrez la suite du tri et compagnie dans la prochaine partie. Voilà. Dans la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors comme vous avez pu voir, quand on se prépare pas assez bien ou pas assez vite plutôt, c'est vraiment le cas. Ouais, parce que là c'était vraiment une horde pourrie. Bah ouais, voilà, je veux dire, les premières hordes, c'est jamais très... Bah d'habitude, ils rentrent, mais en rampant. Là, ils rentraient carrément debout, quoi, donc... Bah oui, mais bon, le problème, c'est qu'on est en ville, que d'habitude, on a plus une baraque qui est au bord de l'eau, généralement, et forcément, donc ça fait qu'il y a plus que trois passages possibles avant d'arriver face à nous. Et c'est plus facile à les gérer. Là, en plus, d'habitude, quand on prépare nos trucs, on fait déjà le deuxième, le dessus. Oui. Et là, on l'a pas fait. C'est entre autres aussi une des raisons, parce qu'on a voulu faire les rampes un petit peu en avance. Et puis, rappelle-toi, nous, on n'avait pas fait les rampes au départ. On avait juste posé les pics comme ça. C'est après que t'as mis les rampes. Oui, parce que les zombies, le problème, c'est qu'en rampant, ils creusaient en dessous. C'est pour ça que j'avais mis les rampes. Oui, non, mais je c'est pas un reproche, attention. Hein. Non, non. C'est ce qu'il y a, c'est que bon, ben voilà, forcément, comme déjà on a pris tard possession de la maison, ouais. Forcément, on a mis tard à faire notre défense. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est si bien que ça, en fait, de prendre une maison à chaque fois? Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, pour éviter ce cas-là, ne pas créer complètement une base, quoi? Je vois pas, en fait, ce qui nous en empêche. Parce que, bon, on a une maison, ok, on a des rangements en plus, que finalement, on ne sert pas tous. Regarde, il y a 2-3 frigos, on s'en sert pas. Bon, après, par la suite, peut-être qu'on s'en servira, mais là, à l'heure actuelle, on s'en sert pas. Il y a plein de pièces et tout ça. En fait, ça fait de la... Comment dire? Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait vraiment de l'espace à défendre, quoi. Faut tourner ouais. Tout autour de la maison. Alors que si tu prends... Bon, il faut pas non plus minimiser la chose, mais... Si on faisait, par exemple, un carré, je sais pas moi, 10 par 10... voilà, on a largement la place de se déplacer dedans, on a largement la place de faire des coffres et tout ça, de poser son lit et sans forcément qu'il y ait 36 000 pièces. Oui, mais à ce moment-là, je suis obligé de faire la culture à l'extérieur. Parce que sur du béton, faire de la culture, je crois pas que ça marche. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais rien ne t'empêche d'amener de la terre hein, non plus. Ouais.
Parce que là, de toute façon, de la terre, je vais t'en mettre en bas pour qu'on fasse des champs en bas. Parce que là, ta culture autour, c'est bien beau. Mais un seul rang, c'est hardcore, quoi, c'est long. Oui, c'est long, mais bon, tu sais, des plantes pour pousser, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de soleil. En C'est un bas, jeu vidéo. ouais, mais je suis pas très sûre qu'en bas ça fonctionne. Après, on peut toujours essayer, hein, mais bon. Moi, je dis, faudrait essayer, voir si ça pousse en moi. Je suis sûr que ça fonctionne en plus. Bah, on peut Je essayer, vois on pas verra pourquoi bien. ça fonctionnerait pas. Bah, écoute, on peut toujours essayer. On verra bien. On essaiera, et puis bon, on verra ce que ça donne. Parce que tu dis, ça a besoin de soleil et tout ça. Mais quand tu fais une base fermée autour et que tu fais à l'intérieur, c'est exactement la même chose. Ouais. Bon. Bon, sur ce, les amis, Allez. on vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Un petit like, un petit commentaire. Et puis, bah, à la prochaine. À la prochaine. Allez, Salut à tous. ciao, bye bye.